Chers frères et sœurs africains du continent et de la diaspora, je vous souhaite une bonne fête de Kwanzaa. J'aimerais aujourd'hui faire un plaidoyer pour que les Africains et les Afro-descendants célèbrent la Kwanzaa. À un moment où un grand nombre de personnes célèbrent Noël, les fêtes de fin d'année, que nous le voulons ou non, nous sommes embarqués dedans. Autant alors le faire à notre profit. Si nous dépensons notre énergie à quelque chose, autant que ce soit bénéfique pour nous. Nous souhaiter bonne fête et être en communion entre nous autour de ce qui nous préoccupe. Déjà, cela permet d'ancrer nos enfants dans quelque chose d'africain et de seulement africain. Mais aussi nous retrouver entre nous et être en communion en tant que peuple partout où nous sommes, sans que cela ne soit conditionné par quelque chose d'étranger à nous. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube les amis, on est aussi sur Twitter, Insta et on va prêcher la bonne parole là-bas aussi, alors abonnez-vous pour faire grandir notre communauté. D'abord, laissez-moi vous définir ce qu'est la Kwanzaa. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une fête religieuse, mais une fête panafricaniste et culturelle. Elle commence le 26 décembre, donc aujourd'hui, et finit le 1er janvier. C'est une fête panafricaniste créée par un Afro-Américain pour célébrer l'héritage africain. Elle est aussi célébrée dans plusieurs autres pays. Célébrer la condition des descendants des déportés esclavagisés, nous, Africains du continent, sommes aussi concernés parce que ces gens, ce sont nos enfants qui nous ont été arrachés malgré nous. Nous retrouver à célébrer une fête des quatre coins du monde en même temps pendant 7 jours peut créer une belle énergie pour repenser nos luttes et créer des solidarités plus fortes. La Kwanzaa a été célébrée pour la première fois en 1966 par le militant afro-américain Ron Karenga. Elle est inspirée des fêtes africaines de récolte qui se déroulaient de décembre à janvier. Kwanzaa est un mot swahili, Matunda ya Kwanzaa, qui signifie premier fruit de la récolte. Le choix du swahili n'est pas anodin, c'est la langue panafricaniste par excellence. Le panafricanisme doit renaître dans nos consciences, dans notre façon d'être, d'interagir entre nous, de nous voir, cela doit devenir un modèle de vie. La Kwanzaa peut nous unir là où nos langues, nos ethnies, nos territoires ou nos religions nous divisent. Que tu sois musulman, kamite, chrétien, athée, on peut communier ensemble dans ce que nous avons de plus précieux, nos cultures, notre liberté et la souveraineté du continent. La souveraineté de l'Afrique donnera aussi la souveraineté de la diaspora, une Afrique forte et puissante. Personne ne pourra jamais impunément déstabiliser Haïti ou empoisonner nos frères de la Guadeloupe ou de la Martinique. La Kwanzaa peut aussi contribuer à une plus grande conscience de notre destin commun par ses principes fédérateurs qui sont non seulement inspirés du panafricanisme, mais de valeurs que tous les peuples africains partagent encore. Elle s'articule autour de 7 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est Imoja, l'unité. Nous devons nous unir, disait Nkrumah. Nous devons travailler à nous unir, à unir la communauté, nos peuples et la famille. L'unité africaine est le but premier du panafricanisme. Un État fédéral, une armée fédérale pour nous soutenir, nous défendre mutuellement contre tous ceux qui menacent notre existence et notre souveraineté. Un Malien doit se sentir responsable de la souveraineté de la Guinée autant qu'il est de son pays, de sa famille et de sa communauté. Le deuxième principe est hautement symbolique, c'est Kuji Chagulia, l'autodétermination, nous définir, définir qui nous voulons être, définir notre système économique, nos régimes politiques, gérer nos ressources. Créer notre système de défense, tout le monde l'a fait et nous pouvons le faire aussi. Nous ne devons plus jamais être dépendants des autres pour notre sécurité. Ne plus jamais laisser personne nous définir ou dire c'est quoi notre histoire, nos mythes ou être spécialiste de nous. Nous devons nous nommer, l'exprimer et l'incarner. En troisième, c'est Ijama, travail collectif et responsabilité. Nous devons créer des savoirs, parler et réfléchir sur ce que nous voulons être. Produire des savoirs qui nous concernent, exprimer nos cultures, parler nos langues, disserter, philosopher, maintenir nos communautés dans l'unité et le partage et trouver des solutions à nos problèmes ensemble. En quatre, c'est Ijama, économie coopérative. Nous devons définir ce qu'est la richesse. Est-ce l'argent, la santé, le bien-être? Nous devons nous appliquer à le rendre réel. Créer des entreprises, employer les nôtres, être solidaires de nos entrepreneurs locaux, nos agriculteurs, nos éleveurs. Au lieu d'acheter chez Auchan, acheter local, acheter des produits de vos voisins, les produits de nos terroirs, nous devons profiter de ce que nous sommes ensemble en tant que communauté de destin. 5. Nia, le but. Nous devons nous engager dans le combat, y contribuer, nous sacrifier pour la souveraineté de nos peuples, de notre continent. Nous devons avoir un but clair de ce que nous voulons être. On doit construire et développer nos populations afin de bâtir une identité forte. Pour cela, nous devons partir de notre grandeur traditionnelle. En 6, combat, créativité. La lutte est longue depuis que nous nous battons, depuis nos ancêtres, et nous sommes toujours là, déterminés plus que jamais à laisser notre communauté meilleure, plus belle, plus bénéfique que notre héritage.
héritage initial. Nous sommes un peuple intelligent, créatif, nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes forts, nous sommes bénis. Créons ce que nous voulons être. Cela se fait d'abord à un niveau individuel. Soyez ce que vous voulez que l'Afrique soit et nous vaincrons. Enfin, le septième principe Imani, la foi pour moi c'est le plus important. La foi non pas au sens religieux mais au sens la foi en nous, en notre peuple, en nos parents qui sont les premiers à avoir fait de nous des hommes et des femmes. La foi à nos martyrs, à ceux qui sont morts pour que nous puissions être là aujourd'hui. Honorez-les en donnant leur prénom à vos enfants, à vos rues, à vos quartiers, vos commerces, vos entreprises. Ayez des pensées pour eux, honorez-les à chaque occasion. Ayons foi en nos enseignants comme Cheikh Diop, nos dirigeants comme Sankara, Nkrumah, en la moralité traditionnelle de nos cultures et surtout ne doutez jamais du succès de notre lutte. Voilà, je ne voulais pas que la vidéo soit longue, il y a tellement de choses à dire à partir de ces 7 principes, mais je pense que l'essentiel est là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse et si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. En attendant, partagez, likez, commentez et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo.